On est à J-1, voilà, on est jeudi 21 juin, il est presque 14h, voilà, donc je pense que je vais attaquer ma valise, enfin, il me tardait de la commencer, voilà, donc je suis toujours pas préparée parce qu'en fait je fais poser un masque sur mes cheveux, voilà, donc c'est toujours le bordel dans la chambre, donc pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà, donc du coup, là, j'ai ma valise. Ici, bon, j'ai fait la réserve de bonbons parce que c'est pour mon chéri. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y en avait pas en Angleterre. Donc, vu que c'est un accro, voilà, je lui en ai pris. Donc, du coup, ça va aller dans ma valise. Voilà, donc vous voyez que j'ai tout juste commencé. Donc, j'ai pris un carnet, voilà, parce que j'aime bien. Puis, j'ai marqué des petits trucs. Voilà, donc on va en avoir besoin aussi parce que j'ai marqué tous les pop qu'on voulait. Donc il y en a pas mal. Donc vu qu'on va en Angleterre, normalement on peut en trouver plus. J'ai mis des t-shirts. Ça c'est notre ticket pour aller au London Eye et au musée Madame Tussaud. Donc ça ce sera pour nos 6 ans. Voilà, j'ai mon ticket de bus parce que je prends le bus. Vous le verrez, hein, je vais vlogger, voilà, donc j'ai commencé vraiment à mettre le strict minimum, voilà, alors, attention, bordel, je préviens. Pour ce qui est ma trousse de toilette, donc, en fait, je vais prendre ce lot de trois trousses, en fait, donc, vous en avez une moyenne ici, une plus grande ici, qui est douce, et une toute petite, donc, en fait, c'est un lot qui va ensemble. Vous voyez, qui est attaché et qui peut se détacher. Hein. Mais ça, je l'ai gagné à Super Rue, je crois, sur une borne. Voilà, j'ai joué à un jeu, du coup, j'ai gagné ça. Et je me suis dit, c'est parfait pour voyage à Londres. Donc, dans cette grosse trousse, donc ça sera tout ce qui est maquillage. Donc, j'ai commencé à mettre ma palette. Je vais prendre celle-là, en fait. Je vais me limiter, mais celle-là, je l'adore. Devinez quelle couleur je préfère. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Après, j'ai pris ce rouge à lèvres. Évidemment, c'est mon chouchou. Donc du coup, voilà. Je vais prendre aussi cette palette. Parce qu'il faut encore que je la teste. Même si, a priori, je suis pas très convaincue de la tenue. Des pinceaux, dentifrice, évidemment. Voilà, c'est celui-là, mon dentifrice, si ça vous intéresse. Et puis voilà, en fait concrètement ça va vraiment être tout ce qui est make-up, mais je prends pas beaucoup, mon mascara Kiko, mon préféré d'ailleurs, je l'ai eu à 3€ au lieu de 7€. Faut savoir qu'il y a beaucoup de promotions chez Kiko pour les mascaras, et vraiment celui-là je vous le conseille, il est vraiment ouf. Voilà, donc faut vraiment que je me limite en make-up, j'aurai mon crayon noir mais qui est dans la salle de bain parce que j'en ai encore besoin. Je remettrai ça après. Après vous avez la petite trousse, c'est très difficile d'ouvrir à une main. Attendez. Donc vous avez la petite trousse où il y a tous mes bijoux. Voilà. Donc mes bijoux et des trucs de filles. Hein. Je vous passerai les détails. Et il y a la moyenne. Donc j'ai pas encore fini de la remplir celle-là. Parce que ça va essentiellement être tout ce qui est coiffure. Donc ma petite boîte d'élastique. Parce qu'en fait le soir, quand je vais me coucher, je fais des tresses tout le temps. Pour pas que mes cheveux s'en mêlent. Voilà, donc petite boîte d'élastique. Après, vous avez tout ce qui est chouchou, hein, j'en ai des tonnes. Et vous avez des petites fioles de parfum. Donc, je crois que j'en ai 3. Non, 4 même. Voilà, parce qu'en fait, quand on prend l'avion, on n'a pas le droit à. On n'a pas le droit au. Non, en fait, j'en ai que 3. Je crois que j'en avais 4. Bon, bref, donc j'ai 3 petites fioles de parfum parce qu'en fait quand on prend l'avion on n'a pas le droit d'avoir du liquide de plus de 10 ml, voilà, donc en tout cas avec vous et tout ça, et vu que moi c'est un bagage à cabine mais qui va à l'ensoute, dans le doute je préfère limiter le liquide. Donc vous avez un parfum de chez Guerlain, donc ça s'appelle Mon Guerlain tout simplement. Voilà, vous avez un parfum Si, que j'adore l'odeur d'ailleurs. Le parfum Si, donc c'est de Giorgio Armani. J'adore cette odeur.
Enfin, désolé, c'est un peu flou. Je vais filmer avec mon portable. Du coup, je peux pas prendre ma caméra pour Nottingham. Parce que, en fait, c'est vraiment la galère avec l'ordi portable. Je peux pas faire et micro et caméra. Parce que le micro de ma caméra, concrètement, il est pourri. Et donc, le dernier, je vais arriver à faire la mise au point. C'est la galère. Voilà, c'est un Dolce & Gabbana. Donc, c'est le The One. Voilà. L'odeur est pas trop mal aussi, mais ça fait plus, plus femme. Mais bon, je l'ai déjà utilisé, comme vous voyez. Voilà, donc je me cantonne aux petites fioles de parfum. Voilà, donc après, il y a des barrettes, des trucs comme ça. Donc, ma brosse ira là-dedans. Donc, je vais ranger tout ça. Donc, ça, c'est mon lot de 3 trousses de toilette où il y a l'essentiel dedans. Donc, ma brosse... Je vous ai dit, regardez pas le bazar. Hein. Ma brosse, c'est celle-là, voilà. Tip top. J'adore, elle est chromée. Bon oui, j'ai plein de cheveux dessus, hein, faut que je l'enlève concrètement. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce que je vais mettre dans ma valise. Comme vous voyez, j'amène pas trop de choses. Après, tout ce qui est vêtements, bah là, j'ai fait une machine à laver hier, donc c'est en train de sécher en bas, voilà. Comme ça, vous savez tout. donc là, il est à peu près 14h. Concrètement, j'ai ma petite liste là de tout ce que je dois prendre. Donc, on peut faire le point ensemble. Donc, mon billet de bus, voilà, faut que je le prenne parce qu'il est tombé par terre. Alors là, s'il tombe, ça va pas être pratique. Faut que je mette ça dans mon sac à main parce que je prends mon sac à main en plus. Voilà, donc le billet de bus, c'est bon, il est là. Voilà, billet London Ice, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mon enceinte JBL. Alors, les enceintes JBL, vous pouvez les trouver pour une 20aine d'euros. Et franchement, l'autonomie, donc j'ai celle-là, l'autonomie, la qualité de son, c'est top. Voilà, c'est top, y'a rien à dire. Hop, dans ma valise. Donc ça c'est fait, mes écouteurs ils sont en bas avec mon MP4 chargé parce que si vous le savez pas encore, je peux pas vivre sans musique concrètement. Donc voilà, donc je vais valider tout ça. Je vais prendre mon petit stylo. Ah mais je vous garde avec moi pour tout faire là. Soit c'est un vlog, soit c'est pas un vlog. Hein. Donc je reprends ma petite liste. Donc billet de bus, ok, ça c'est fait. BAF JBL c'est fait. Écouteurs, c'est en bas, donc c'est bon. Mettre musique sur la MP4, ça c'est fait. La carte SD 32Go, c'est fait. Parce qu'elle est sur mon téléphone actuel, là où je filme. Oui. Acheter l'adaptateur, c'est fait. Oui, attention, si vous allez en Angleterre, pensez à l'adaptateur. Parce que c'est pas les mêmes prises que chez nous. C'est bête, mais il faut y penser. Voilà. Mon câble de MP4, il est encore en bas. Donc ça, faut que je rajoute dans le sac. Voilà, donc ça c'est encore à faire, donc il faut que je prenne ça dans mon sac, ça dans mon sac. Voilà, donc je vais prendre un livre, donc je suis dans un dilemme, parce que bien sûr je vais prendre un livre Harry Potter, bah ouais, je suis quand même en Angleterre quoi. Mais en fait j'avais commencé l'Ordre du Phénix, comme vous pouvez voir, ouais j'ai un marque-page Diddle, ouais si toi aussi t'as connu les Diddle quand t'étais en primaire, mets un pouce bleu, ou mets-moi en commentaire si t'avais la collection et tout, franchement je veux le savoir. Voilà donc comme vous voyez je l'avais quand même bien entamé quoi, je suis à plus de la moitié, sauf que je l'ai pas lu depuis un moment, et que j'ai très envie de lire celui-ci, donc c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Bon vous l'avez vu en plus là, version de poche, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà, donc j'ai très envie de lire celui-là. Et aussi, j'ai le numéro 1, mais en version collector. Donc magnifique. Je l'ai pris version Poudlard. Pas Poudlard, n'importe quoi. Je l'ai pris en version Gryffondor. Voilà, parce que je suis team Gryffondor, ouais. Mais en fait, j'arrive toujours pas à comprendre. Je vais lancer un débat là dans les commentaires. Mais comment on fait pour pas être Gryffondor? Enfin, je sais pas, moi, c'est... Il y a des gens qui sont serpentards, mais c'est vrai, il y a vraiment des gens qui aiment les serpentards. Je sais pas, ils sont pas gentils, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça représente la fourberie, ben voilà. Ouais, je vais carrément lancer le débat. Dites-moi en commentaire quel team vous êtes, Harry Potter. Moi, je suis team Gryffondor à 100%. Ben, allez, Hermione, c'est ma chouchoute, ouais. Voilà, donc, d'ailleurs,
parenthèse sur les livres anniversaires, donc pour les 20 ans de la saga. Des livres, hein, bien sûr, pas des films, on est bien d'accord, hein, parce qu'à la base c'est des livres avant d'être des films. Mais il y a des informations super intéressantes, donc il y a des trucs inédits en introduction avec des images assez sympas. Après, l'histoire est la même que sur un livre standard, juste il y a des informations un petit peu avant. Vous avez aussi par exemple la carte de tout ce qui est Poudlard avec la forêt et tout ça. Enfin, vous avez vraiment des trucs assez sympas, quoi. Vraiment comment J.K. Rowling elle voyait le paysage et tout. Vous avez même un quiz et tout. Non, franchement, c'est vachement sympa cette édition. Voilà, donc c'était la petite parenthèse bouquin. Mais je pense pas que je vais prendre celui-là parce qu'il est assez lourd quand même. Et assez grand surtout. Mais en fait, je pense que je vais vraiment prendre celui-ci. Parce que j'ai vraiment envie de le lire. Déjà, c'est dans les films, c'est mes préférés. Et je l'ai encore jamais lu, celui-là. Voilà, donc j'ai très envie de lire celui-là. Voilà, je pense que je vais enlever mon marque-page. En plus, quoi, j'en étais à ombrage, là. Pff, voilà, vous savez, le truc bien énervant, quoi. Donc, hop, voilà, tant pis. Et je garde mon petit marque-page Lidl, bien sûr, qui est en 3D, c'est pas beau, ça. Voilà, hop, je vais le mettre là-dedans. Et du coup, je vais prendre ça, que je mets aussi dans mon sac à main. Voilà, le choix est fait. Hop, je pose ça. Parce que j'aurai beaucoup d'attentes, comme vous pourrez le suivre avec moi. En fait, vous verrez que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc, livre, c'est bon. Valise noire, c'est ok, parce que ça va en dessous. Excusez-moi, j'ai eu un problème de mémoire. J'ai une carte SD de 32 Go, mais j'ai quand même des problèmes de mémoire. Bref, c'est parce que ça s'enregistre pas sur la carte mémoire. Bref, donc à chaque fois, je suis obligée de transférer. Donc, je disais, je vais prendre ma... Je me fais agresser par mon stylo. On va pas y arriver à vlogger, je crois. Donc, je disais... Faut que je prenne ma souris. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas monter mes vidéos sur le logiciel, sur l'ordi portable. Voilà. Parce que c'est la galère sans souris, quoi, du moins. Donc, il faut que je le prenne. Tac. Et mes bijoux, c'est fait. Ben voilà, on commence doucement, mais sûrement, à avancer. Voilà, sinon au programme aujourd'hui, donc ça sera détente pour me déstresser parce que je commence sérieusement à stresser avec l'avion et tout ça. Voilà, j'ai très très peur et je suis toute seule. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense que je me ferai ça avant d'aller prendre ma douche tranquillement. Et ensuite, je vais certainement filmer un tutoriel de manicure. Voilà, que vous aurez certainement vu avant ce vlog, ou peut-être pas, hein, mais je pense que si. Voilà, parce que bah, comme ça me fait mes ongles, et vous, ça vous fait un tutoriel de manicure holographique. Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça, parce que ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Et puis, on se retrouve soit plus tard dans la journée, soit demain pour le départ. Je vous fais des bisous. You just want attention. You